Hey, coucou tout le monde, c'est Pokémix360. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le scarabée rhinocéros du Japon, plus le fascicule et en cadeau la boîte de rangement pour les grands insectes. Donc, avant de commencer, je vais vous montrer la taille d'un insecte géant. Voilà. Donc, ça représente un petit peu comme ça. Donc, je vais pouvoir les ranger. Et là, on a le scarabée rhinocéros que je vais sortir de la boîte tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? Déjà, on a la boîte de rangement. Hop. Voilà. Alors, j'enlève la boîte. Donc voilà. Alors, on voit la boîte ici avec tous les insectes. Hein. Donc, je vous montrerai à la fin tous les insectes à peu près qu'il y a. Donc, avant de commencer à vous présenter l'insecte, je vais commencer par vous présenter le fascicule. Donc, le fascicule se présente comme ça. Voilà. Ensuite, la semaine prochaine, ce sera la fourmi géante de Thaïlande. Donc, franchement, celle-là, je l'attends parce que elle est super jolie. Et pareil, bon, comme les autres, on présente la secte. Enfin, voilà quoi, il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc, ça y est, donc là, on a l'insecte. Et là, on a la boîte de rangement pour manger les insectes. Le plus fascicule. Et même dans ma boîte de rangement, un fascicule. Voilà. Donc, ouais, ma boîte de rangement. Hop, j'ouvre. Donc, déjà l'insecte. Il est super bon. Voilà. Franchement, il est très très joli. Donc, là, on trouve bien le scarabée rhinocéros du Japon, hyper beau. Franchement, j'aime bien. Donc, là, on voit un petit peu l'intérieur du corps, pour bien dire que ça en est des vrais. Maintenant, super beau. Donc, je le mets dans la boîte. Voilà. Mes autres géants dans la boîte. Comme ceci. Voilà. Donc écoutez, maintenant on va regarder la différence entre un insecte géant et un insecte petit. Donc voilà. Donc pour avoir besoin d'aide, j'ai sorti une frelon géant de Thaïlande. Voilà. Alors, voilà la différence. La différence c'est quand même grande. Voilà, prendre un petit peu le scarabée. Voilà. Bon. Voilà, il y a le 100 plus. Dans une boîte de rangement des petits, on peut ranger 15 insectes. Et là, on peut en ranger 10. Donc, hop, je reprends le fascicule. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Que je vais présenter, donc mercredi prochain je présenterai la fourmi géante de Thaïlande. Donc écoutez, je vous dis pour une prochaine vidéo, bye.